Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre pull homme pour la partie 2. Je vous mets en description le lien du PDF du modèle. C'est un modèle que j'ai réalisé moi-même. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Lors de la première partie, nous avions fini sur la côte de 2. J'ai fait mes 7 cm de côte que vous pouvez voir là. Voilà, pour le devant et le dos. J'ai mis deux lots de 7 cm de côte. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous mets le lien dans le petit i et je vous conseille de la voir en premier. Dans cette partie, nous allons voir le changement de couleur, la lecture d'une grille, le point jersey en vert, nos premières torsades. On va voir les 3 sur 1 RPC, les 2 sur 3 RPC, les 3 sur 3 LPC, les 3 sur 1 LPC, les 3 sur 2 RC, les 1 sur 3 RC, les 3 sur 2 LPC. Et pour finir, la 3 sur 3 RC. On va prendre le patron, l'instruction suivante des côtes 2-2, donc ligne 23, A selon la taille, ligne 112, 108 ou 106. Il est dit qu'à 7 cm du montage, là où on est, il faut continuer comme suit. Avec la couleur C1, donc, on a un changement de couleur, fer K, la maille lisière, en gros c'est la maille lisière, puis selon la taille fer 15, 20, 8, 14 ou 17 mailles au point 2, puis selon la taille fer 108 ou 144 mailles au point 3, et dans ce point 3, on doit répéter la zone en rouge selon la taille, 3 ou 4 fois. Et enfin, selon la taille, on fait encore 15, 20, 8, 14 ou 17 mailles au point 2, et on finit par une maille lisière en K. Enfin, on nous indique que l'on a à la fin de cela 138, 148, 160, 172, 178 mailles selon la taille. Comme je l'ai indiqué, je travaille sur la taille L, qui a été personnalisée. Donc cela correspond aux chiffres en vert. En premier, je vais voir ce qu'est le point 2. C'est du jersey en vert. C'est facile, on tricote en envers sur l'endroit et en endroit sur l'envers. Je dois donc faire 8 mailles de jersey en vert avec la couleur C1. On va déjà faire cela. Donc, je prends ma couleur C1, qui est celle-ci pour moi. Hop. Alors, on va faire un changement de couleur. Donc, vous pouvez déjà voir que j'ai mis un petit marqueur ici, sur la première maille, qui me permet de m'indiquer que ce morceau-là, c'est le dos, et que le deuxième morceau que j'ai ici, c'est le devant. Donc je sais que là où j'ai mon marqueur bleu, c'est le dos. Et c'est les rangs impairs du dos, qu'on voit comme ça. Donc ici, j'ai fini sur celui-là. Je vais donc prendre mon nouveau fil. Et bien là, c'est facile. On va le faire. Oups, on va le préparer. Et attention, on change d'aiguille, on passe à l'aiguille 3 mm. Donc il est dit, pour le changement de fil, on doit faire déjà une maille lisière. Donc ça c'est facile, hop, on amène le fil ici. Donc vous voyez, comme ça, et on tricote. Alors là on va avoir une maille super super lâche, qu'il va falloir tenir tous les fils. Donc là, c'est la petite étape compliquée. Donc je tiens, hop, j'ai mes deux fils ici que j'essaye de bloquer. Et je reprends mon fil qui va me servir à tricoter ici. Et j'essaye de serrer. De toute façon, la maille sera resserrée lors du deuxième passage. Ensuite, on nous a dit qu'il fallait faire 8 mailles. Alors, dans mon cas, ça sera un petit peu différent. J'ai 21 mailles à faire au point 2, puisque en fait je ne suis pas sur la taille tout à fait standard du L. Donc, j'essaye de maintenir tout ça serré, ce qui n'est pas simple. Je glisse mon marqueur.
Et moi, je vais faire 21 mailles en jersey en vert. Donc le jersey en vert, pour rappel, hop, on tricote en envers toutes les mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je peux lâcher ça. Je vais resserrer comme je peux pour le moment. C'est l'étape un petit peu délicate et de toute façon on finira de serrer au tour suivant. Donc j'ai dit que j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que j'en fasse 21 moi. 8. Donc si vous étiez sur la taille L, là vous vous arrêtiez là. Moi je vais jusqu'à 21. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, la petite astuce que je vous conseille d'avoir, c'est que maintenant que vous avez fait vos points en deux, vous allez mettre un marqueur pour indiquer qu'ici, on va changer de point. Comme ça, quand on va faire les rangs suivants, toute cette zone-là, on ne se posera pas de questions, on sait que c'est du jersey en vert. Donc là, on a fait nos 21 points, enfin nos 21 mailles en 8 mailles en jersey en vert. Maintenant, le patron indique de faire 144 mailles au point 3, soit 4 répétitions du point 3 sur un rang. Alors, on va aller lire la grille. On peut voir que la grille est composée de plusieurs indications, un tableau représentant les rangs et mailles, un glossaire des points utilisé indiquant à quoi il correspond dans le sens en droit et en vert, et d'un cadre rouge représentant la zone de répétition sur le tricot. Alors je précise que dans les patrons que vous avez normalement, vous n'avez que la grille. Personnellement, je vous ai ajouté les instructions à la suite pour que vous puissiez décrypter facilement la grille. Alors, prenons le premier rang, on voit que l'on a des points en vert et en droit. Les points en vert sont représentés par le carré avec un point et les points en droit par le carré vide. Alors passons au tricot. Dans mon cas, je n'aurai pas 4 répétitions puisque j'ai fait 21 mailles, du coup j'ai moins à faire, j'aurai que 3 répétitions du point 3. La grille dit de faire déjà 3 mailles en vert. Donc on fait déjà 1, 2, 3. Puis elle dit de faire 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Puis elle dit de refaire 3 mailles en vert. 1, 2, 3. Puis 3 mailles en droit. Ensuite, elle nous dit de faire 6 mailles en vert. De faire 3 mailles en droit. De refaire 6 mailles en vert. De refaire 3 mailles en droit. De faire 3 mailles en vert. Et de refaire 3 mailles en droit. Donc là, on a fait notre première répétition. On met un marqueur, c'est la petite astuce, qui nous permet de savoir où est la fin de la première répétition. Deuxième répétition, on refait la même chose, puisqu'on a dit qu'on le faisait 3 fois. Donc, 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, et on remet un marqueur, on fait la troisième, on remet un marqueur, et on se retrouve après ça.
Alors, nos répétitions sont finies. Maintenant que nous avons fait notre point 3, on a de nouveau à faire le point 2 pour 8 mailles ou 21 mailles dans mon cas, vu que je suis à 21 mailles. Donc on les fait en mailles envers. On répète ce qu'on vient de faire sur le devant et on se retrouve pour la suite. On arrive à la fin du premier rang. On retourne le travail et on fait le deuxième rang. Avec les marqueurs, cela est facile de se repérer et de faire les points plus rapidement. Nos 8 mailles de jersey en vert à faire, puis nos 4 répétitions de point 3 et de nouveau les 8 mailles de jersey en vert. Le rang 2 n'étant qu'une répétition du rang 1 mais à l'envers, pardon. Donc rien de spécifique à voir. On se retrouve une fois qu'il est fait. Alors, avant de faire le troisième rang, on va juste voir un petit point un peu complexe qui est le méli-mélo de fil qu'on a là. Alors, on arrive là. Donc, on finit de faire notre jersey envers qui est en droit dans le cas du sens envers. Et là, donc, on a plusieurs fils. Donc, on va déjà glisser le marqueur qui ne sert plus, enfin qui sert toujours mais qui ne sert plus là. On a notre fameuse maille qui est distendue. Alors, il faut la tricoter et après il faut tirer tous les fils. Et quand on va faire le troisième rang, il va falloir tenir encore ça de nouveau pour pouvoir le faire. Une fois qu'on aura fait quelques rangs supplémentaires, on pourra couper le fil de l'autre couleur qui ne nous sert plus. On le coupera en laissant une vingtaine de centimètres ou 40 centimètres. Une vingtaine de centimètres ou 40 centimètres, il n'y a pas d'importance. Alors maintenant qu'on est arrivé à la fin du rang 2, on arrive sur le rang 3. Vous savez maintenant lire une grille, donc je ne vais plus que m'intéresser aux torsades, puisque le jersey en droit, jersey en vert, vous savez lire, c'est pas ce qui nous intéresse. Sur ce rang, on rencontre notre première torsade, qui est une 3 sur 1 RPC. Donc, RPC, c'est Right Pearl Cable, Needle en vérité. Donc, en se référant au glossaire, on a cela qui est dit. Glissez le point suivant sur l'aiguille auxiliaire et placez-le à l'arrière de l'ouvrage. K3, donc 3 mailles en droit, Knight 3, puis P1 sur l'aiguille auxiliaire, donc Pearl 1 ou maille envers sur l'aiguille auxiliaire. Nous allons donc voir cela de plus près. Donc, nous revoilà sur notre ouvrage. On n'est pas encore à la maille 33, on est à la maille 31. Donc la 31, on fait ça, un envers, la 32, un envers. Donc il nous a été dit, mais glissez une maille sur l'aiguille auxiliaire et placez l'aiguille auxiliaire derrière. Donc là, je viens, comme vous pouvez le voir, de glisser une maille sur mon aiguille auxiliaire et elle est derrière mon ouvrage. Ensuite, on me dit de tricoter 3 mailles en droit. Je tricote mes 3 mailles en droit. Et je dois tricoter ma maille qui est sur mon aiguille auxiliaire en vert. Mince, pardon, en vert. Donc, on a fait notre première torsade. Pour le moment, on ne le voit pas plus, hein. Elle s'est décalée. On le voit à l'arrière de l'ouvrage, mais devant, on ne le voit pas plus. Maille 31, maille 32, donc c'est de l'envers. Donc, de nouveau, donc cette torsade se fait sur 4 mailles. On nous a dit, c'est pour ça qu'elle se nomme 3 sur 1 RPC. R, c'est pour partir à droite. Donc, ces 3 mailles-là vont aller à droite. Donc, et cette maille-là va aller par derrière. Donc, on glisse une maille sur la maille auxiliaire qu'on laisse derrière.
On tricote en droit les trois mailles suivantes. On knight ces trois mailles. Et la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire, on va la tricoter en vert. C'est pour ça qu'on a un P, c'est pour pearl, pour le maille en vert. Et le C, c'est pour cable, pour dire qu'on a en fait cette aiguille auxiliaire. C'est-à-dire qu'on a des mailles qui vont sur une aiguille auxiliaire. Maintenant, nous passons au rang 4, qui a lui aussi une torsade à faire. Attention, ici nous rentrons dans quelque chose de plutôt rare, car les torsades sur le rang arrière ne se font que si vous voulez incliner plus rapidement votre torsade. Tous les patrons que j'ai vus jusqu'ici ne font pas cela. Mais je pense que c'est un bon apprentissage pour vous. On voit que la grille parle du point 3 sur 2 RPC, Rat, Pearl, Cable, sur l'endroit. Et il est indiqué que sur l'envers, cela correspond à un point 2 sur 3 RPC, High, Pearl, Cable. Le glossaire dit « glisser les trois mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placer à l'arrière de l'ouvrage, K2, puis P3 sur l'aiguille auxiliaire. » Donc deux mailles en droit, puis trois mailles en vert sur l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. On nous a dit « glisser trois mailles sur l'aiguille auxiliaire, les placer à l'arrière, tricoter deux mailles en droit et tricoter les trois mailles de l'aiguille auxiliaire en vert. On revoit cela, on nous a dit glisser trois mailles sur l'aiguille auxiliaire et les placer derrière. Tricoter en droit deux mailles, puis tricoter en vert trois mailles sur les aiguilles auxiliaires. Ensuite, toujours sur le rang 4, on a une deuxième torsade à faire, qui est 3 sur 3 LPC, Left Pearl Cable, et qui est la même à l'endroit qu'à l'envers, du fait qu'on a du 3 sur 3. Le glossaire dit « glisser les trois mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placer-la devant le travail. » P3, 3 mailles envers, puis K3 à partir de l'aiguille auxiliaire. 3 mailles en droit depuis l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. On nous a dit glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Les laisser devant. P3, donc 3 mailles envers. Et K3, 3 mailles en droit depuis l'aiguille auxiliaire. On nous a dit glisser trois mailles sur l'aiguille auxiliaire et les placer devant. Faire trois mailles en vert sur les trois mailles suivantes et faire trois mailles en droit sur les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Nous passons maintenant au rang 5 qui a une première torsade 3 sur 1 LPC, Left Pearl Cable. Le glossaire dit glisser les trois mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placez-les devant l'ouvrage. P1, une maille en vert, puis K3, trois mailles en droit à partir de l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. Donc,
on glisse 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on place devant. On fait une maille envers et on fait 3 mailles en droit depuis l'aiguille auxiliaire. Alors, on revoit, on glisse 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on laisse devant. On fait une maille envers. Puis, 3 mailles en droit. Et voilà. Toujours sur le rang 5, on a la torsade suivante, qui est 3 sur 2 RC, Right Cable. Le glossaire dit « Glissez les deux mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placez à l'arrière de l'ouvrage. K3, puis K2 de l'aiguille auxiliaire. » On va voir cela. Donc, on nous a dit « Glissez 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, faire 3 mailles en droit, puis faire 2 mailles en droit. Voilà. J'ajoute une petite précision. Il ne faut pas oublier de compter vos rangs, que ce soit les rangs de répétition ou les rangs globales. Actuellement, nous sommes au 5e rang de répétition, donc il faut bien les incrémenter. Et nous sommes au 27e rang général du patron. C'est important de les incrémenter, puisque à un moment donné, il va falloir faire des diminutions, ou rabattre des mailles, ou savoir à quel moment on fait... De nouveau, le point 3 repart à 0, et ainsi de suite. Je précise aussi qu'il ne faut pas oublier de faire le dos et le devant en même temps, puisque si vous êtes parti sur le fait de tout faire sur d'affilée, il faut les faire rang par rang. C'est-à-dire que là, moi, quand je fais mon rang 5, je fais mon rang 5 sur le dos, mais je le fais aussi sur le devant après. Là, je ne vous le montre pas, puisque ça n'a pas d'intérêt, mais il faut bien faire les deux. Nous voilà de nouveau sur la torsade à faire. Donc on nous a dit de glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire sur l'arrière, de faire 3 mailles en droit, puis de faire 2 mailles en droit. Donc on peut le voir, nos torsades commencent à se dessiner. Là on en a une, on en a une autre ici, et on en a une qui va commencer là, qu'on ne voit pas encore beaucoup. On se retrouve pour le rang 6. On continue sur le rang 6 avec la première torsade qui est 3 sur 1 RC sur l'endroit. Et il est indiqué que sur l'envers, cela correspond à un point 1 sur 3, PRPC, pour Pearl Ride Pearl Cable. Le glossaire dit « Glissez 3 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placez-la à l'arrière de l'ouvrage. Pearl, une fois, donc une maille envers, puis Pearl, 3 fois, de l'aiguille auxiliaire, donc 3 mailles envers sur l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. Alors, nous devons glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Nous devons faire une maille envers, puis faire les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire en maille envers. 1, 2.
revoit ça. On glisse 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on place derrière. On fait une maille envers. Et on tricote les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire à l'envers. La deuxième torsade du rang 6, qui est 3 sur 3 LPC, Leaf Pearl Cable, on l'a vu juste avant, on refait la même chose. On passe au rang 7. La première torsade est 3 sur 2 LPC, Leaf Pearl Cable. Le glossaire dit « Glissez les 3 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placez là, devant le travail, P2, 2 mailles envers, puis K3, 3 mailles en droit, à partir de l'aiguille auxiliaire. On va regarder cela. On place 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire, que l'on place devant. On fait 2 mailles envers. Puis on fait 3 mailles en droit sur celles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. On revoit cela. Il est dit de glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire, de placer devant, de faire 2 perles, donc 2 mailles envers, et de faire 3 knides sur les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire, donc 3 mailles en droit. La deuxième torsade du rang 7 est 3 sur 3 RC Ride Cable. Le glossaire dit glisser les 3 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire et placer à l'arrière de l'ouvrage. K3, 3 mailles en droit, puis K3, 3 mailles en droit de nouveau, de l'aiguille auxiliaire. On va voir cela. On arrive sur nos 6 mailles à torsader. Donc, on prend 3 mailles qu'on met sur l'aiguille auxiliaire et qu'on place derrière. On tricote en droit 3 mailles, puis on tricote en droit les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. Je vous le remontre. On doit glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire que l'on place derrière. On tricote en droit les 3 mailles suivantes et on tricote en droit, les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. Les rangs 8, 9 et 10 peuvent être faits sans problème. L'ensemble des points a déjà été vu. Donc, comme on peut déjà le voir, nos torsades commencent à se mettre en place. Alors, on a vu plusieurs points. Pour aller plus vite et savoir quoi faire, il faut décomposer ce qui est écrit. Si dans l'instruction de la torsade, il y a un R pour write, alors le chiffre à droite ira sur l'aiguille auxiliaire et celui-ci ira à l'arrière. L'aiguille auxiliaire ira à l'arrière. Et le chiffre à gauche sera fait avec le point indiqué. Le point est indiqué derrière le R ou le L. Si c'est un P, alors maille envers. Si rien, alors maille en droit. Ensuite, les mailles de l'aiguille auxiliaire seront tricotées en maille en droit, sauf si on indique un P avant le R qui indique maille envers pour ces mailles. Merci à Biquette qui présente tout.
tout ce que je dis. Et donc, si on a un L pour left, c'est l'inverse. Le chiffre à gauche ira sur l'aiguille auxiliaire et celui-ci ira à l'avant du travail. Et le chiffre à droite sera tricoté selon le point. Les mêmes règles s'appliquent pour les points. En fait, ce n'est qu'une lecture de ces chiffres et de ces lettres qui permettent de comprendre ce qu'il faut faire, sans avoir besoin d'aller lire le glossaire. Alors, c'est les notations anglaises. Dans les mini-tutos, je rajouterai peut-être les notations françaises qui n'ont aucun rapport. Ce n'est pas du tout noté de la même façon en français. Je trouve que l'explication des notations anglaises est nettement plus compréhensible une fois qu'on sait décomposer ce qui est écrit. Alors, ce ne sont pas les seules notations qui existent, il existe d'autres types de notations qui ne sont pas toujours claires, non plus à mon goût. C'est la notation que je trouve la plus explicite. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons le point 3 et les torsades. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, un pouce bleu. N'hésitez pas à partager, commenter. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À la prochaine. Bye!